Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce très intéressante. Tu peux être la princesse de ton mari, ma chérie, et tu serais la seule femme que ton mari va suivre, que ton mari va aimer. Ma chérie, c'est possible. Mon gars, tu peux être le prince de ta femme. Ta femme va te chérir. Ta femme, elle va t'aimer. Elle va t'aimer comme tu as envie qu'elle t'aime. Les amis, c'est possible. Dieu a mis toutes ces choses juste à côté de vous pour que vous puissiez vivre intensément votre amour. Ce sont des astuces que vous devez connaître. Qui sont des astuces. Était là. C'est l'homme qui doit venir vous dire, je vais te marier. C'est l'homme qui doit venir dire, je veux des enfants. C'est l'homme qui doit venir te dire, ah, on va aller voir tes parents. C'est l'homme qui doit venir te dire, ah, ceci, ma chérie. Ma chérie. C'est dans les films de Disneyland. C'est dans les films, dans les dessins animés. Que tu vois quand quelqu'un est amoureux et puis son cœur là, ça sort et puis ça fait le cœur-cœur là. Ça, c'est dans les dessins animés. Sinon, la réalité, si tu ne t'élèves pas, ton mari, il va jamais faire le premier pas. Parce que les secrets qui sont dehors là, les fruits, les oranges, les mandarines, tout ça, ce sont des astuces. Mais il y a une façon de les utiliser. Tu es dans le mariage là. Il ne t'offre rien. Il ne te fait pas de cadeaux. Il ne te marie pas. Il ne vient pas vers toi. Le jour où il est content, il rit. Le jour où il n'est pas content, il ne rit pas. Le jour où il veut, il est là. Le jour où il ne veut pas aussi, il s'en fout. Ma chérie, tu peux être sa princesse. C'est moi qui te dis, tu as besoin d'astuces. Tu as besoin d'astuces. Parce que, regarde, aujourd'hui là, ta poitrine est comme ça. Il est content. Il s'amuse avec jusqu'à le juste avec comme ça. En bas. Quand tu parles là, quand tu tournes ta tête comme ça là, il regarde ta poitrine, c'est en bas. Défaite. Il s'en va dehors. Mon frère, quand tu vis avec une femme là, tu dois être heureux. Si tu n'es pas heureux avec ta femme, si elle ne te prend pas comme un prince, il y a problème. Ça ne va pas. Il faut te réveiller. Ce n'est pas parce que tu vas aller chercher une femme dehors, une deuxième femme dehors, que ça va arranger la chose. Celle qui est déjà chez toi là, tu peux la rendre. Tu peux faire en sorte qu'elle te prend comme son prince. Il y a des secrets pour ça. Il y a des secrets pour ça. Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu n'es pas heureux avec ta femme, c'est ce que les hommes font. Ils sortent dehors, ils s'en cherchent ailleurs. Mon frère, il faut chercher des astuces. Celle que tu as mise dans la maison, là, c'est la bonne. C'est la meilleure femme. Et c'est elle que Dieu a choisie pour te donner. Il te faut maintenant des astuces pour faire en sorte que cette femme te voie comme son prince. Elle te cajoline. Elle fait en sorte que tu deviens le roi comme tu as envie de devenir. C'est-à-dire que elle a ton petit. Donc, tes petits soins. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas heureux dans leur vie de couple. On n'en parle pas, mais c'est vrai. Ils ne sont pas heureux. La femme ne te fait pas des bisous. Quand tu veux même la toucher, c'est mon frère, pardon, c'est quel problème? Hein? Tu n'es pas heureux dans ton foyer. Mon frère, il faut parler. Il faut parler. Si tu restes comme ça, là, goumé, goumé, là, va te tuer. Les tablettes de chocolat, là, tout va fondre. Personne ne va te prendre. Ta femme là, celle qui est à la maison, qui a fait des enfants pour te donner là, elle peut devenir, je dis bien, elle peut devenir, elle peut faire en sorte que, tu peux faire en sorte que cette femme, elle te voit comme le prince charmant. C'est qu'on voit à la télé là, tu vas vivre ça aussi, n'est-ce pas? Voilà, il y a des astuces pour ça. Hein? J'ai publié tellement d'astuces que je pense que vous ne vous retrouvez plus. Vous ne vous retrouvez plus.
Peut-être que vous ne trouvez pas les astuces que je mets là, ou bien vous ne savez pas les faire. Hein? Ne restez pas tout seul. Ma chérie, ton mari là, il va te mettre sur la chaise. Il va s'abaisser comme toi, comme dans les dessins animés. C'est possible. Et Dieu a mis ça dans la nature. C'est possible, ma chérie. Il faut arrêter de pleurer. Arrête de l'insulter. Que non, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Il ne va pas te demander en mariage. Il ne va pas te doter. Il ne t'achète pas une maison. Il ne t'achète pas une voiture. Ma chérie, depuis quand tu as vu un homme, l'effort qu'il a fait là, il a fait un effort. Il allait te prendre parmi les milliards de femmes qui sont dans la rue là. Beaucoup de femmes là, c'est toi il a choisi pas. Il dit, viens, on va s'asseoir. Tu es ma reine, tu es ma princesse. Est-ce que tu vis ça dans ton foyer? Est-ce que tu vis ça dans ta relation? Ma chérie, est-ce que tu as déjà vécu ça dans ta vie? Si tu n'as pas vécu ces choses, c'est simple comme de l'eau à boire. Il y a des astuces que tu dois chercher. C'est pas méchant. Tu comprends? Les autres filles là, elles se cachent et puis elles vont chercher. Et puis quand tu vois là, c'est joli. C'est des astuces. Sans ça, tous les hommes tu vas prendre, ils vont te regarder comme ça fait rien. Mm-hmm. Parce que où tu vois la femme là, où tu nous vois comme ça, on est jolie. Ma soeur, regarde, c'est la nature qui fait tout ça. Quand tu vois les filles, elles sont dans les voitures. Toi aussi là, tu peux être là. Ton mari qui est dans la maison là, il ne gagne pas grand chose. Mais il peut faire en sorte que tu sois vraiment sa reine. On n'a pas besoin de millions pour être heureux, ma soeur. On n'a pas besoin de millions. Tu n'as pas besoin de millions pour que ton mari là, il te donne ce qu'il veut. Le peu même qu'il te donne là, quand il te donne ça comme ça là, tu es content? Tu es content? Ah! Moi je ne comprends pas. Vous pensez que vous... qu'ils vont vivre heureux? Quand ils ont beaucoup d'argent, ils sont malades. Les problèmes arrivent. Hein? Pourquoi vous attendez? Demain il va changer, après demain il va changer. Ma chérie, si tu veux attendre, le soleil là va tomber l'autre côté là-bas. Abidjan serait clôturé. Hmm? Abidjan serait clôturé. Paris, vous voyez Paris là, la tour Eiffel là. Quand on parle de ça jusqu'à tout Eiffel, tout Eiffel, tout Eiffel. Quand tu arrives en France comme ça là, la première des choses là, c'est tout Eiffel. En tout cas, moi quand j'ai mis pied là, j'ai dormi à l'hôtel. Il fallait que je voie la tour Eiffel. Quand je suis arrivée là-bas, c'était waouh devant moi. J'ai dit ça, c'est quoi ça? C'est vrai que c'est long, ma soeur. Tu ne peux pas monter. Hein? Il faut prendre l'ascenseur, tu vas monter. Quand tu arrives là-bas, c'est waouh. Il n'y a rien. C'est comme ça la vie là. La vie, c'est maintenant. S'il doit te cajoler là, c'est maintenant. S'il doit te doloter, c'est maintenant, ma chérie. C'est pas demain. Si tu n'as pas d'astuce, réveille-toi. Ta princesse. Hey, il y a des astuces pour ça. Quelle histoire? Il y a des astuces pour ça, ma chérie. Il faut que ta femme te prenne pour un roi. Les hommes, ils adorent ça. Comme si on l'a posé quand il quitte au travail. Chérie, oh, ça va, mon cœur. Il est au travail. Ça va, chérie. Ça va, c'est pas doux, ça. C'est doux. C'est doux. C'est doux même, j'ai dit. Ah, qui n'a pas envie de vivre ça? Oh, mais vous n'avez pas envie de vivre ça aussi, les filles. J'épanne, je fais astuce. Je fais astuce. Il y a des astuces, tu fais. C'est concret, c'est direct. Le gars, il est comme ça. Moi, il devient swaga. Il est Django comme ça. Il devient swaga. Ça la baisse.